Nicolas? Chaudement, on est sous les plafonds. Tu te dis où aller? Alors là, bah, on est sous les plafonds d'un restaurant qui se fait appeler la Cité de l'Empereur. J'ai le nom devant moi, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pour le garder un peu secret. Voilà, donc on est monté directement tout en haut. Et puis on va découvrir petit à petit. Donc là, on est dans les habitations. Et après, on verra la partie resto. Donc c'est assez petit, enfin c'est une grande maison, mais ça va être assez court, je pense. Voilà. Et donc on va vous montrer l'envers du décor des banquets chinois à volonté, c'est ça? Voilà. Faire une émission zone interdite. Ok, j'ai Voilà. hâte de voir les cuisines alors. Allez, c'est parti. Plus grand chose comme trace à part les décos chinoises. Donc là, premier étage, donc on a fait la moitié déjà. Une chips dans un resto, ça tombe bien. Allez, À la crevette, j'espère. à la crevette. Chinois. Ceux-là non, par contre il y a celles qui sont pas cuites là-bas, dans le wok. Voilà. Donc celle-là serait peut-être encore un peu potable. L'état, c'est assez bien conservé. Hein. Par contre c'est encore bizarre, c'est un bâtiment qu'à vendre, mais qui est ouvert. Voilà. C'est encore assez bien conservé hein, pour l'instant. Il est en pleine rue, il y a du passage. C'est peut-être un peu ce qui te sauve. Bon, t'en profites pour faire la boîte de bain? Ouais. Donc, globalement, c'est sympa. ouais. Donc, pareil, on s'attend pas à plus. Une grosse maison, mais pas grand-chose à voir, à part les cuisines, la déco chinoise. Et puis, c'est tout. T'as rien à rajouter là, non? Non, comme d'hab, toujours moi qui parle. Bon, bah, c'est tout. La suite pour un prochain épisode. Thank you.